donc, vous aviez 11 ans en 1939. C'est l'âge de la préadolescence, surgit la Seconde Guerre mondiale, et vous allez donc bien évidemment vivre ces années douloureuses hein, jusqu'en 1945, début septembre 1944, la libération à Roncq. Alors, il faut rappeler qu'en 1939, vous aviez donc 11 ans, mais vous étiez scolarisé à Tourcoing à l'époque. Oui, oui, oui. J'ai fait toutes mes études au lycée de Tourcoing, lycée voilà. Gambetta. Vous habitiez où à Roncq au début de la guerre ? Ben, j'ai toujours habité à Roncq, à la même adresse, au coin de la rue de Tourcoing et de la rue de la Montagne, au Blanc-Four, parce qu'à l'époque, le Blanc-Four et Roncq, c'était deux entités différentes. On n'avait pas le même état d'esprit à 11 ans en 1939 qu'en 2014. Oui. On était encore enfants, très enfants. Nos soucis n'étaient pas ceux qu'on pourrait avoir au même âge aujourd'hui. Je me souviens que... C'était quoi les préoccupations d'alors ? On pensait à jouer. Et je me souviens que quand j'ai conduit mon papa à la gare, qu'il était mobilisé, en rentrant, on s'est empressé de jouer aux soldats. Et le jeu qui était très en vogue à ce moment-là, c'était le jeu des soldats de plomb. Et je me souviens très bien des soldats français, je dirais, pendant ce que j'appelle la drôle de guerre, où il n'y avait rien qui se passait. Le foyer se trouvait au Blanc-Four, une ferme qui est maintenant à l'endroit des témoins de Jéhovah. Oui. Hein, là, c'était le foyer des soldats. D'accord. Avec, derrière, il y avait quatre canons. Et alors, toujours au Blanc-Four, il y avait sur ce qu'on appelait la poterie ou la pannerie, une mitrailleuse avec quelques soldats qui étaient prêts à tirer sur les éventuels avions allemands, qu'on a rarement entendu tirer également. Mm-hmm. Hein, mais enfin, ils étaient là. Alors, en mai 40, la catastrophe, c'était la débâcle. Oui, oui. La débâcle, parce que... Beaucoup ont quitté Roncq à ce moment-là. Oh oui, oui, oui. Mes parents, par exemple, ont dit, même monsieur un tel s'en va, même monsieur un tel s'en va, donc il faut partir. Et ma maman, qui était seule, puisque mon papa était soldat, était sur la ligne Maginot, et ma maman, qui était seule, je dirais, avait eu comme consigne de son mari, mon papa, surtout, si les Boches arrivent, parce que c'est il faut fuir. Oui, oui. Ils avaient un tel souvenir du mal qu'ils avaient causé en 1914 pour encore le subir en 1940. Et c'est comme ça, alors l'évacuation, je pourrais en parler longtemps, c'était une catastrophe. Vous êtes resté à Roncq, vous êtes parti ? Non, on est parti. Vous êtes parti. Là, ma petite histoire de la famille, du moins, c'est que mon papa était sur les Maginot, soldat. Oui. Ma maman donc était seule avec ses trois enfants et elle a quitté sa maison, elle a tout quitté avec deux de ses enfants qui sont partis avec des voisins et ma maman est restée avec sa fille. Elle devait nous rejoindre avec un rendez-vous à Abbeville. D'accord. Pourquoi Abbeville? Vous êtes partis donc en direction d'Abbeville? En direction, tous les deux en direction d'Abbeville, les uns en camion, nous on était dans un camion, et ma maman à pied avec un vélo à la main, et puis on a été comme ça au moins trois semaines sans nouvelles les uns des autres. Voilà. Là, il faut l'avoir vécu, ça. Jour et nuit. Et alors ce qu'il y a de curieux, alors je reviens à ma propre position, c'est que là encore je raisonnais comme un enfant. Je ne me rendais pas compte, quand on est rentré à Roncq, que tous les ponts étaient coupés. Et je me rappelle avoir franchi le pont de Quesnoy-sur-Dole, par exemple, qui était coupé. Le pont sur la Lys, hein, c'est ça? Oui, celui-là. Mais le pont de Marc-en-Barœul, d'ailleurs, on ne voit même pas que c'est un pont, il était coupé. Au Château Rouge, sur le boulevard de Lille, le pont était coupé. À la planche épinoire, il y a un pont, on ne savait même pas qu'il y avait un pont, il était coupé. D'accord. Tout ça était coupé. Donc quand vous rentrez finalement dans une région qui est déjà dévastée, si je comprends bien. Oui, mais alors ce qu'il y a de curieux, c'est que en nous approchant de la Somme, on a connu les Allemands, on a rencontré avant les Roncquois. Parce que quand ma maman est partie à pied, finalement elle s'est rendue compte qu'elle partait dans l'inconnu, et donc il y avait déjà des évacués qui rentraient. Ils disaient, c'est pas la peine d'aller plus loin, les Allemands sont déjà là. Bon, donc elle est rentrée, et les Anglais étaient encore à Roncq. Comment se déroule la vie à ce moment-là? Il y a une telle satisfaction de se retrouver qu'on en oublie les détails. À la fois sont installés, réinstallés ou réouverts les commerces, mais on a eu très rapidement les tickets, les tickets de rationnement. Et vous allez chaque jour au lycée Gambetta? Alors là, c'est la grande vogue des tramways. Donc vous preniez
Durant le conflit, donc ce tramway. Ah, le tramway. Vous braviez les dangers. Il n'y avait pas de danger. Il n'y a pas de danger. Non, c'est ça qui est curieux. Oui. À la maison, on a eu un Allemand qui nous a été imposé, hein, parce qu'on avait une chambre libre au moins. Et cet Allemand nous a laissé un souvenir formidable. C'était un officier allemand d'une gentillesse remarquable. Il n'est pas resté longtemps, il nous a apporté même un peu de fruits qu'on n'avait pas. Et quand il est parti, il a salué ma maman en disant « Bonne chance pour votre l'homme », parce que l'homme de ma maman avait sa photo de soldat français sur la cheminée. J'étais scout, j'ai eu une chance inouïe. Moi, j'étais marqué, formé par ma famille, le scoutisme, ma femme et mes enfants. Tout repose là-dessus. On a toujours été très patriotes, mais patriotes, français. Alors, bon, le débarquement, vous en entendez parler. Oh, ça, c'était formidable. Oui. Formidable. Par la radio. Oui. Pas par les journaux. D'accord. Les journaux, donc vous écoutiez des nouvelles. Vous écoutiez d'autres radios. Oui, les Français parlent au français. Oh, bon, ouais. Dieu. Ouais. Oh, oui, tout le monde. Et alors, ce qui nous surprenait, c'était les messages personnels. Oui. Hein, comme les sanglots des violons, voilà, le verre de Verlaine. Qui ont été envoyés de Tourcoing. Attention, réceptionnés à Tourcoing. Oui. Parce que le PC de l'armée allemande de la région d'extrême nord était à Tourcoing, à côté du lycée précisément. D'accord. Oui, alors là, les messages personnels semblaient indiquer que. D'accord. Donc vous avez su finalement assez rapidement. Que le débarquement avait eu lieu. Rapidement. Oui. Tous les jours, on avait un voisin qui venait nous donner les dernières nouvelles. 1944, c'est toujours la guerre, mais partout les Allemands reculent. Les Alliés qui ont débarqué en Sicile, puis en Italie, ont un pied en Europe. Les armées soviétiques ont remporté la bataille de Stalingrad et avancent sur le front russe. Les bombardements s'intensifient. La gare de Tourcoing est une cible de choix. Les chemins de fer. C'est le quartier du Sapin Vert qui est particulièrement visé avec les nombreuses voies de la gare de marchandises et la rotonde qui abrite une locomotive. Le premier raid est un échec. Les bombes tombent sur l'usine Scalabre à proximité immédiate du pont de la rue de Roubaix et font de nombreuses victimes. Le second bombardement atteint les habitations du quartier du Saint-Pinvert, mais la gare est toujours intacte. Le troisième raid, mené, nous a-t-on dit par la suite, par des équipages français, atteint son but. Un train de munitions est touché et on peut voir, de la rue du Moulin au Blanc-Four, les explosions et les geysers qu'elles provoquent. Le quartier de la gare est évacué, etc., etc. On annonce les Anglais à Pont-à-Marc et tout le monde les attend dans la rue de Lille au Blanc-Four. Ouais. Les drapeaux flottent, c'est la liesse. Et les voilà, c'est un défilé ininterrompu de voitures, de camions et de blindés légers. Les uniformes scouts sont ressortis. Nous sommes fiers, nous sommes heureux. Le drapeau français est hissé au mât que papa avait dressé dans le jardin peu avant la guerre. En réalité, les soldats américains, moi je les ai surtout vus au lycée de Tourcoing. Oui. Au lycée, il y avait toujours des soldats, et ils étaient américains et noirs. Et je me souviens de leur air sportif. Ils jouaient au basket, par exemple, c'était formidable. Et puis c'est la première fois qu'on voyait des soldats noirs. Nous, enfants, on découvrait les Américains, mais on découvrait surtout leur matériel. C'est là qu'apparaît la Jeep, mais la Jeep, c'était un engin extraordinaire, au sens propre du terme. Comment s'organise la vie à Roncq dans les jours qui suivent la libération? Est-ce que tout redémarre comme par enchantement, ou est-ce que simplement on reste dans les habitudes prises? J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements d'habitude, si ce n'est que le retour progressif de ceux qui étaient partis. Un mot quand même sur le conseil municipal, hein, puisque effectivement, on est dans une situation particulière, on est dans l'État français. Immédiatement, je dirais qu'après la libération, c'est pas encore la République classique, c'est gouvernement provisoire. Alors moi, là encore, à l'âge que j'avais, j'étais, bien qu'ayant 16 ans, encore un enfant. J'ai eu la chance d'avoir une vie. D'ailleurs, on me demande quelquefois, si tu devais recommencer ta vie, qu'est-ce que tu souhaiterais de plus? Je dirais rien, je suis prêt à recommencer tout ce que j'ai connu.